Attends, la caméra, elle est mise là. Hein. Ouais, mise là. Les autres, elle est sur les placements. Ouais. Bah alors, tu sais quoi, je vais mettre là. Ouais, tu sais quoi, qu'aucune une ours, on va mettre comme ça, ça me fait froid. Mais tu le poses, après tu mets les bras sur la pile. D'abord tu le poses et après il faut brancher la pile, c'est trop long. Ouais, c'est trop long. Non, mais pas là, vu en bas. Oh, ah, dans l'autre pièce? Ouais, en bas. Mais là, à côté des. Ouais, non, dans la cuisine. Le nounours. En bas, dans la cuisine. Ah, t'en mets un gros là, quoi. Mais si, mais... Mais stop. Jean-Louis, d'après la Kinect, t'as fait un doigt au truc, clairement. Je vais bugger ce que j'ai. Oh ! Dis-moi oui. Si. Oui. Dis oui. C'est lui qui s'en punch. Mais là, t'es un peu près, je pense. T'es un peu près. Ouais. Tu vois tout à l'heure. Non, c'est là, c'est pas moi, regarde. Il y a un truc là-bas par terre qui s'entend. Ouais, mais il était déjà lumière tout à l'heure. Ouais, j'ai vu les lumières dessus. Qui ouais, c'est lui qui s'entend. C'est pas lui, hein. Moi, je m'en fous. Non, c'est lui là-bas. Hein? Ouais. Là, c'est lui là? T'étais pas lui alors? Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc voilà, donc on attaque la saison des enquêtes là, après le confinement là. Voilà, donc on est le 11, hein. Le 11 au soir. Donc voilà, première enquête. Donc on retourne sur l'infernet, où on a eu quelques bons petits résultats. Mais le temps qu'on mette le matériel en place, les appareils ont commencé un peu à sonner un peu à droite à gauche. Donc on va voir ça. Donc voilà. Avec nous, bon bien sûr, il y a Lilou. Hein.
Il y a Mika qui était avec nous tout au début, et à côté il y a sa sœur. Voilà. Donc alors, là je vous fais faire vite fait le tour des pièces. Donc là au sol il y a le nouveau pod, le bipod, avec une caméra infrarouge de l'autre côté. Voilà, salut. Donc là, voilà, donc Mika, vous voyez, il a la Kinect, la version Xbox One. Là au sol, on a le Winon. Bon, depuis tout à l'heure, je sais pas, on a eu quelques... Il n'arrêtait pas de nous dire non, donc bon, on va voir ça. On va dans l'autre pièce. Donc là, il y a le ours là-bas, avec un capteur de vibration. Donc là, on a au sol le capteur d'infrarouge qui nous détecte là, plus le capteur de température. Donc là, une caméra, et après, on va voir par en bas si on peut aller dans celle de même bois. Là. Alors, je sais pas si. Mickaël, t'es allé toi dans la salle de bain? Quand vous êtes revenu, vous avez ouvert les portes? Non. Non, parce que moi, je sais que la dernière fois que je suis venu, j'avais tout fermé. Moi, je suis pas revenu. Ah, t'es pas revenu? Mon père, je crois pas qu'il soit revenu. Hein. Parce que la porte en bas de la salle de bain est grande ouverte. Ben, c'est super. Voilà. Bonsoir. Y a quelqu'un avec nous? C'est midi 2000 quoi. Tu peux t'as patate? Démarre. Ouais. Redémarrer Eden et redémarrer le pod. Tu n'as jamais fait ça, ce machin. Sur le côté, ouais. Tenez tout ça, ce côté. Ouais. Vous êtes avec nous? Vous êtes ici, dans cette pièce? Vous vous rappelez de nous? Vous connaissez les deux personnes qui sont dans la pièce d'à côté? Vous devez les connaître. Patate. Tu peux voir si mon casque. Vous avez vu sur le lit, il y a deux appareils. Il y a un appareil avec une seule antenne. Et un deuxième appareil avec deux antennes. Vous pouvez essayer de toucher une des antennes. Il y a une antenne qui sera pour dire oui, l'autre pour dire non. Vous pouvez essayer?
La même passion. Voilà, c'est lui. Voilà. Est-ce que pour vous montrer que vous êtes avec nous, vous pouvez enclencher le oui ou le non avec l'appareil d'à côté, s'il vous plaît? D'autres appareils dans d'autres pièces. Il y a quelqu'un qui est passé devant. Oui, il y a Jessica là, juste derrière elle, par terre. C'est pas toi, Mika? Je croyais, mais non, on va essayer. Il y a quelqu'un dans cette pièce? Oui. D'accord. Deux coups pour non, un coup pour oui. Allez, vous pouvez le refaire. Est-ce que vous faites bien partie de la famille de Jessica et Michael? Un coup pour oui, deux coups pour non. Refaites la même chose que tout à l'heure. Allez-y, réessayez. Essayez de le déclencher deux fois. Non, mais c'est toujours pareil. Tu demandes. C'est ça. Après, quand tu le demandes pas, tchou! Non, comme là, tu vois, je pensais que c'était un machin, mais non, il n'y a plus rien. Mais moi, je croyais que c'était en passant aussi à côté, mais après, j'ai mis mon pied, je le secouais devant, et c'est rien passé. Non, c'est pour ça. Oui. Non. Donc, vous avez vu le principe de l'appareil? Oui. Gauche? Non. Droite? Oui. Vous voulez parler avec nous? On n'est pas là pour vous déranger, hein. Même si ça a l'air. On veut juste essayer d'avoir une communication pour prouver qu'il y aurait bien quelque chose après la mort. Vous voulez essayer de nous parler? Peut-être que vous n'avez pas assez d'énergie. Après, on va aller protéger la salle de bain. On va essayer de faire quelque chose. Alors attendez. Un instant. Ah non, parce que je sais pas comment ça va parasiter les autres appareils. Ouais. On va vite voir. Hein. Voilà, alors on va faire un test. Ah, on va. Ah voilà. Non, ça a l'air. Donc on a mis une petite bobine Tesla, petite, hein, petit modèle, pour essayer d'électriser un peu les pièces, pour vous donner un petit peu d'énergie. Bon,
Est-ce que vous pouvez essayer d'enclencher le pont de l'ours? Vous avez juste à... Toucher le nounours. Juste à toucher le nounours et il y aura un petit bip. Et le truc de température, le truc, ça fait du bruit ou pas? Ouais. C'est que si ça varie? Ouais. Il y a une machine pour... Comment on va regarder? Mais il est plus sensible lui que lui, ouais. Parce que lui il y a un capteur aussi de vibration. Ah, tu vois? Mais lui il faut taper plus fort. C'est ça. Mais lui là-bas à peine. Mais parce que j'ai mis à pied sur l'escalier, c'est bien ça. Ouais. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on vienne vous voir? Moi je voulais juste vous redonner le petit message que vous nous avez donné la dernière fois. Donc je vous dis juste bonsoir. Ouais, mais si vous parlez, on entendra rien. Faut juste parler pour poser, essayer de poser des questions, mais après... C'est ce que j'ai fait. Ouais, non, ça je sais, mais après ça discute derrière. Si tu poses une question et qu'on parle derrière...
c'est ça. Non, je sais pas, c'est calme du coup. Mmh. Oh mais. J'ai trouvé une autre vis là. Trop de poids, ça se casse avec eux. Et tous de notre famille. Tu sais pas. Ouais. Faudra que je réécoute ce passage. Ouais, j'ai entendu. J'ai entendu une voix. Non, je sais pas si c'est une voix, mais j'ai entendu comme un souffle dans le micro. Moi, j'ai entendu comme. Non, j'ai entendu. Alors, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai entendu comme un souffle, moi. Alors, on va faire quelque chose, ça sera plus simple. On va sortir, et on va rentrer que deux par deux chaque fois, et on va voir. On va commencer à filmer. S'il y a quelque chose qui passe à travers. Et parce qu'on fait nous, on sort, on laisse. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Nous sommes de la famille Jessica et Michael, les enfants de Jean-Louis. Est-ce que vous le connaissez? J'ai entendu quelque chose. Pourriez-vous répéter? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si oui, faites-nous un signe. N'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de l'évier? Si oui, refaites déclencher le petit appareil sur le plan de travail. Voilà, recommencez encore une fois. Voilà, c'est très bien. Maintenant, essayez de vous diriger vers la chambre. Il y a des appareils beaucoup plus évolués dans la chambre qui nous aideront mieux à voir ce qui se passe et à vous comprendre. Allez-y, allez vers la chambre. Ou essayez de faire plus déclencher cet appareil. Essayez d'allumer plus de LED, de lumière. Jean-Louis, si tu m'entends, tu regarderas la grille. C'est passé un truc. Se trouve là.
Allez-y, dirigez-vous vers les chambres. Et essayez de faire déclencher les appareils qui sont sur le lit. Si vous n'y arrivez pas, revenez dans la cuisine et essayez de rallumer la petite lumière blanche comme vous avez fait auparavant. On est là, on vous attend. T'as bougé ou pas? Il y a encore un truc qui est passé. Allez-y, retournez vers le petit pot de la cuisine. Y a-t-il quelqu'un dans la maison? Si oui, essayez de déclencher un appareil. N'importe quelle alarme dans la maison, on saura que vous êtes là. On va aller dans la salle de bain. Attends, ça a redéclenché. Ça redéclenche. Merde, il me déclenche tout en fait, non? Oui, c'est toi là. Ouais, oh putain. Oui, c'est toi. Déclenche-moi, elle est où? Y a-t-il quelqu'un? Essaye d'aller là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison? Déclenchez les appareils. On se dirige vers la salle de bain. Il y a un petit pot aussi dans la salle de bain. Essayez de le déclencher. Il suffit de le toucher. Est-ce que les travaux de la salle de bain vous plaisent? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous pouvez déclencher les petits pods? Les appareils qu'il y a posés sur le lit.
De quoi? J'entends un clac-clac. Ouais, c'est la caméra. Ah. Est-ce que vous avez un lien affectif avec cette maison? Faites-vous partie de la famille? C'est vous qui avez reconstruit cette maison? Arrangé cette maison?
Est-ce que cela vous dérange qu'on soit dans votre maison? Ou vous avez un petit qui est de la vie dans cette maison? Vous pouvez vous approcher des appareils lequel que vous voulez. 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 Vous par terre. Il y en a même dans la salle de réveil. C'est calme. Elle a fini d'enregistrer. Est-ce que vous pouvez allumer un des appareils de la maison? Ils sont disposés dans les quatre coins de la maison. On a juste besoin de preuves. Surtout qu'avant qu'on enregistre, vous avez soigné les appareils. Êtes-vous un homme ou une femme? N'ayez pas peur, on ne fera pas de mal. Vous avez bien vu, on ne vous a jamais fait de mal depuis qu'on vient ici. Ça fait quelques fois qu'on vient ici. On n'est pas là, vous avez vu, pour vous déranger. On essaye là de communiquer avec vous. Donc il y a plusieurs possibilités. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous et que vous ne pouvez pas, ou vous n'y arrivez pas, ou tout simplement vous n'avez pas envie de communiquer avec nous? Si c'est le fait de ne pas avoir envie, faites juste sonner un appareil. Les antennes, on pourra essayer d'avoir une communication
ensemble, bon, simpliste, avec des réponses simples, par oui ou par non. Donc, l'antenne en face de moi qui est à gauche, pour le oui. L'antenne qui est à droite, et pour le non. Est-ce que vous êtes un homme? Oui ou non? Est-ce que vous êtes une femme? Oui ou non? Alors, une question simple. Voulez-vous qu'on parte? Oui ou non? Est-ce que vous voulez qu'on fasse rentrer Mickaël et Jessica? Oui ou non? Frise comme ça. Ouais, bon. Là, ça fait un moment que j'ai pas essayé l'autre. J'ai pas essayé de chien. Oh.
bizarre, il fait une conne que j'ai pas. Il fait un truc que j'ai pas codé. J'ai pas codé ça. Non, non, il reste allumé. Et ça sonne. Tu crois que c'est toi qui. C'est pas moi, j'ai une clim là-bas. Je filme la salle de bain, je veux filmer moi. Moi, il me voit pas. Il est en dessous dans la manche. Alors là, je comprends plus. Là, il fait des codes que j'ai pas fait. Il n'existe pas ce code. J'ai pas filmé ça, j'ai pas. Normalement, il fait une alarme dedans. Ben écoute. Putain, j'ai pas l'impression qu'il fasse plus froid, plus chaud que. Non, mais après, c'est. J'ai l'impression que ton truc là de température est bug. Ouais, il bouge plus, ça y est. Ben parce que en fait, là, la lumière la faiblit petit à petit sur ton truc de température. Non. Alors, c'est facile, je vais faire une alarme de l'humidité. Ça s'est déclenché. Thank you.
essayer de tout ranger. Tu veux qu'on aille dehors pour rentrer avec tout ça? Bah non, ranger. On va juste laisser un peu dehors pour de Spirit Box. Donc j'ai bien expliqué à Michael comment cela fonctionne. Donc est-ce que Michael et Jessica sont de votre famille? Est-ce que vous êtes de la famille? Êtes-vous un habitant de cette maison? Ouais, tu pourras en poser quand je finis ma séance. Est-ce que vous êtes prisonnier sur Terre ou vous êtes là de votre propre gré? Vous ne voulez pas passer de l'autre côté de la lumière? Ou tout simplement, est-ce que ce fameux tunnel de lumière existe? Est-ce que vous l'avez vu? Vas-y, pose tes questions. Est-ce que cela vous fait plaisir que l'on soit là ce soir? Est-ce que vous pouvez dire l'un de nos prénoms? Est-ce que c'est vous qui avez enclenché les appareils au début de notre séance?
Est-ce que la maison vous appartient? Il y a combien d'entités dans cette maison? Êtes-vous un homme ou une femme, ou y a-t-il les deux? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous laisse tranquille? Quoi? Après, je sais plus. Les questions. Vous pouvez nous dire votre prénom? Sont les deux personnes pour vous qui sont dans la maison? Il gueule encore, là, quand même. Que dalle. Non, c'est un sensor, j'ai jamais eu encore. On essaye toujours, hein. Ton machin, il pute, ça fait plus de 5 minutes, hein. Ouais. Bah non, il a pas bloqué. Non, mais toujours... Non, j'ai changé de fréquence un peu. Une fois. Michael va vous poser des questions toutes simples. Est-ce que vous pouvez y répondre par oui, par non, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un dans la maison? Est-ce que notre présence vous dérange? Ça peut les commenter avant, Léa. Léa. Léa, es-tu ici? Êtes-vous de la famille de Léa? Pourriez-vous essayer de déclencher un appareil? Est-ce que vous êtes triste que personne ne vive ici?
Prouvez-vous votre présence. Prouvez-nous votre présence. Approchez-vous des objets qui sont par terre. Moi, non, tout à l'heure, plus ça marche, mais là, plus rien. Êtes-vous content d'être ici? Essayez de refaire comme vous avez fait sur le lit tout à l'heure. Même un petit signal comme tout à l'heure, c'était très bien. Vous pouvez passer devant les petits points verts? Les points lumineux? Essayez de vous manifester. Vous pouvez aller faire tourner les appareils qui sont dans la chambre? Est-ce qu'on vous a dérangé? Léa, ça ne vous a pas fait plaisir qu'on vienne vous voir? Vous pouvez dire sur une de nos caméras quelle date nous sommes, quelle année? L'appareil qui est dans la salle de bain.
Demain, tu vas peut-être mieux revenir derrière. Mais comme si on passait derrière. Ah, comme il y a quelque chose qui passe derrière. Moi, j'étais là. Ouais. Le système était à côté de moi. J'étais par là. Ouais. Mais j'ai senti une forme comme ça, la fluctuation. C'était un peu. D'accord. Comme si ça s'était éteint à la limite, comme si j'avais fait. Comme si j'avais fait ça. Ouais, j'ai senti la quelque chose qui passe derrière. On verra, après, si j'ai fait. Bon, c'est ce qu'on va faire, on va commencer à ranger le matériel. Bon, là, c'est la caméra en place, toujours. On attaque là-bas, et on avance. On fait un enjeu de l'autre attaque comme ça. Et on récupère la caméra en dernier. Pour finir cette enquête, je vais faire un petit débrief. De mon point de vue, donc ça a été une enquête, on va dire, un peu particulière sur ce retour sur l'Infernet. Voilà, on a eu quelques trucs, des déclenchements de pod, beaucoup en début, avant de commencer, avant qu'on se mette en place. Voilà, on a eu quelques appareils. Après, bon, tout le long, on en a eu un petit peu, mais c'était moins, voilà. On a eu peut-être des PVE, parce que je ne peux pas les certifier que c'est du PVE. Le problème, c'est que tout le monde n'entendra pas les mêmes choses, donc est-ce que c'est un PVE, pas un PVE? Est-ce que j'ai pas des phrases claires, nettes, des mots? J'ai des syllabes, on va dire, des onomatopées, mais après vous dire que c'est du PVE clair et net, non. Voilà, après c'était un peu comme d'habitude, hein, comme plusieurs fois on est allé sur l'Infernet, ça se déplaçait, c'était pas constant, mais l'énergie. Alors, est-ce que c'est plus de l'énergie résiduelle ou pas? Je sais pas. Parce qu'on n'a pas eu de réponse directe. Peut-être un petit peu au départ avec le oui-non, mais c'était pas une réponse. Je sais pas. Alors, je sais pas. Voilà. Donc, moi, j'espère tout simplement que cette enquête vous aura plu. Voilà. Si vous aimez ça, si vous aimez le travail qu'on fait. N'hésitez pas, continuez à nous suivre. Voilà, je vous remercie. Allez, au revoir.